Allez, salut à toi. Aujourd'hui, laisse-moi te présenter Le Chat Noir, dessiné et scénarisé par Hideshi Inno. Une portée de chat voit le jour dans un tuyau d'égout d'une décharge. Seul le chaton noir ose sortir de ce tunnel pour explorer les alentours. Un jour, il rencontre des enfants humains. Ceux-ci le trouvent différent à cause de son pelage noir censé porter malheur. Rapidement, les frères du chat noir sont adoptés. Désormais seul, le chat noir part à l'aventure au-delà de la décharge. Il développe alors une grande curiosité pour les hommes qui ont bâti tout ce qu'il peut observer. Après une présentation assez triste et cruelle de sa jeunesse, un chat noir part observer les humains et nous raconte 4 rencontres qui l'ont marqué. Un ventriloque, un mangaka, un enfant et un couple de personnes âgées. C'est à travers les yeux du félin qu'on découvre ses portraits pathétiques, lugubres et terrifiants. La narration est soignée. L'atmosphère anxiogène prend aux tripes. Les intrigues dégagent beaucoup d'intensité et ont toutes de quoi captiver. Quant au dessin, aussi sombre que le chat, il plonge bien le lecteur dans l'ambiance et met en avant l'expressivité des personnages. L'ensemble est particulièrement saisissant, on n'en décroche pas le regard un seul instant. Et voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça t'a donné envie de découvrir Le Chat Noir d'Hideshi Inno. Sur ce, je te dis à la prochaine.